Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, l'aventure du jeu Rookie Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Il n'y a plus qu'à trouver le lieu de ce torpeur. Les yeux tabac. Ouvre tes yeux, Calice. Ouvre tes yeux. Il a laissé le bol là. Ah, je peux pas le ramasser, c'est vrai. Allez, je m'en fais une tranche. Ouf, c'est bon. Le pays des chevreuils. J'ai encore trouvé un autre. Mais vous êtes combien? Ça se trouve, tiens, un gros rocher. Les gros rochers, c'est des trolls. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Il y a une énorme empreinte de main, et pas humaine. En plus, la terre a été remuée tout récemment. Mon pied a coupé bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce champignon a changé? Je crois qu'il a réagi à ma présence. Il n'est pas possible, si. Possible, ma belle. On a l'air de tourner aussi. Trois pièces qui bougent, mais on se base sur quoi? On se base sur ça. Wow. D'autres ruines. Mais qu'est-ce que ça peut bien dire, petite affaire? On a une photo. Ben, je passe internet, je dis, ben là, tu penses déjà à leur tourner à chaque fois, toi? Dieu existe. Le tricheur, c'est intelligent.
chercheurs, allez voir sur internet. Moi, j'ai pris une photo parce que je veux pas retourner à chaque fois comme un imbécile. Il faut que je passe, mais il doit y avoir un moyen. Vivement. Moi, je peux pas aller. Je crois qu'ils sont vivants. Yes. Je les ai mémorisés. Dans mon téléphone. Bon. Je reste dans le stream en turc. Je suis sûr qu'une truelle, ça serait utile. Qu'est-ce que faire avec ça? Oh, j'avais besoin d'une truelle. Une truelle, c'est pour creuser. Un bocal vide. Il vient me voler mes affaires, pas vrai? Oh, collé! Est-ce que j'entends des voix? C'est de ta conscience, peut-être. Pardon? Ou. Et que vous soyez? Je sais seulement trouver mon frère. Est-ce que ça justifie le vol caractérisé? Non, mais un monstre l'a enlevé. Il y a des trolls et des arbres avec des yeux. Je suis censé trouver des gardiens pour m'aider. Les gardiens, dis-tu? Les Jotsnar? Oui. Vous savez où ils se trouvent? C'est donc toi, la jeune fille, dont la forêt parle à mi-voix. La forêt, elle parle? Oui, je pense pouvoir t'aider. Vraiment? Peut-être, mais une sombre magie à l'œuvre. Les autres de la forêt ont peur. Depuis le temps, rester caché est pour nous une seconde nature. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je t'aiderai si tu nous aides. D'abord, faisons en sorte que tu puisses te déplacer sans être vu. Je vais te fabriquer un puissant masque. Il te faudra récupérer les matériaux. D'accord, il le faut. Qu'est-ce qu'il vous faut? D'abord, l'essence de... Écoute, je vais plutôt te l'écrire. Voilà, rapporte tes ingrédients à mon chaudron. N'hésite pas à passer consulter la liste. Entendu, merci. Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Premier ingrédient, le crâne d'un bélier. Bon, c'est ce qui est pour mon but pour un début. Ensuite, deux parasites natamar. Parasites nata, cauchemar, ça sent les ennuis. En effet, ce sont des êtres immondes corrompus par la magie noire. Ils aspirent l'énergie en échange de visions étranges. Je les reconnais en les voyant. Bon, et pour finir, le poil d'un croc à barbe. Ah oui, celui-ci reste un peu complexe à obtenir. Cherche peut-être près des plans d'eau, des environs. Les mares, les lacs, les bassins, ce genre de choses. Et je trouverai ces poils qui traînent par terre. J'en doute, il faudra sans doute le négocier. Ça ne me dit rien qui vale, pourquoi est-ce qu'il me faudrait? Elle en aura besoin que tu lui parles de ses enfants, propose-lui ton aide. D'accord, j'ai compris grosso modo. Pendant qu'il dort, tu lui arraches ses poils. Sous le scrotum. Scratch. Ça bouillonne sympathiquement. Osgrim m'a remis ses pierres assoiffées. Un ensemble de pierres divinatoires. Direction journal. Je vais essayer de vous libérer, monsieur Lapin.
Voilà, ça va mieux, pas vrai? Le bélier du crâne est en tapin. Ouais, on l'a vu tantôt. Et merci, jeune enfant. Nous ignorons quelle mouche a piqué cette forêt ces derniers temps. Mais il faut pas la grosse torche, par exemple. Mais rien de bon, aucun doute. Oui, il se passe clairement quelque chose de louche. Vous allez bien maintenant? C'est l'arbre mère qui m'envoie vous trouver. Oui, oui, tout ira bien. Même si nous ne pouvons sans doute pas en dire autant de tous les autres hôtes de la forêt. Où s'entend les chemins racinaires qui atteignent? Est-ce que... Mais c'est ça, nous avons renoué le lien avec l'arbre mère. Il nous a été d'un immense secours, nos chemins racinaires sentent les tiens. Ravieux d'avoir pu vous aider. Champignon est énorme. Comme ça, je fais qu'il est... Voyons. Comme ça, se fait-il qu'il ait grandi autant? Il n'y a pas moyen de traverser. Pas question de nager. Crise de l'orage. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour emporter ce tas? Qu'est-ce qu'on peut rire pour emporter le pire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour emporter la terre? Il y avait des trésors enterrés ici. J'espère que j'ai encore la truelle. Qu'est-ce que c'est? Un vrai trésor, des pièces anciennes mystères. Je suis riche. Oui, t'es riche, petite Chris. Il trouve gang, hein? Oui, on va le dire. Mon père est pas toussé, il y a une branchette là. Le bélier du crâne est dans mes culottes. Oh non, je crois que j'ai mal. Je crois que le mal se propage. Le mal est dans mes culottes et se propage. Le mal est dans mes culottes, c'est putain l'eau tu es. Il y a beaucoup de poilus que mon petit Tom-ta. Ton chapeau, tu dis aimer vraiment les porcs. Je crois que là ça mange justement pour une délite. T'as la question de t'avoir aidé, petit gars. Mon petit frère me manque. Je vais te retrouver, Lars. Dialogue avec les Toms. Et plutôt, j'ai juste parlé avec. Ouais, c'est ça que je me disais. On va tester ça avant de partir. Pitié, sois un esprit de l'eau qui exauce les vœux. Le repas est servi, Crook. Crook, viens voir. Et c'est les poils de sauf, j'arrache. La vieille maman Crook, petite chose. Non, attendez, je peux vous aider. Je doute fort. Vos enfants, je peux vous les trouver. Mais Crookuline, on a parlé.
Et franchement, je ne sais pas. Je vois, c'est vrai qu'il me manque, Crook. Toi, je vais t'épargner le temps que tu retrouves mes enfants. Dernière chose. Je vous ramène vos enfants, Croculin. Je veux un poil de votre barbe. Barbe ? Tu penses mériter pareil cadeau ? Peut-être pas, mais quand vos enfants. Tu sais marchander, petit attendu. Nous avons passé un marché. Merci, madame, maman Croc. Ma madame, ma petite grise de madame. Me ramènes-tu mes crocs, là? Hey. Travaille, petite bitch. Eh bien, fais vite. Tu commences à paraître un petit sang. Et merci, ma petite belle. Maman Croc. Ça m'excite, moi, des mamans Croc. Bon. Il y en a un croc, là. Eh, monsieur Croclin, il ne regarde pas de ce côté si tu veux qu'on discute. Primo, mon nom est Crook. Crook est le plus noble fils de la race croqueline. Oh, moi, c'est Tov, ravi de te rencontrer. Moi, ce qui me ravirait, c'est de sortir d'ici. Je veux rentrer chez moi. J'ai déjà réussi à donner à ces deux mous à la chaîne pour m'échapper, mais... Et si tu contentes de partir et s'en apercevra, je vois le problème. Je ne demande qu'à t'aider, mais je veux surtout pas la mettre en colère. J'ai peur qu'elle me donne à manger à sa sœur, ou qu'elle me broie pour me transformer en engrais. Oui, et moi donc? Il va falloir la jouer fine. Il y a peut-être une solution pour que je m'échappe, ni vu ni connu. Je pouvais trouver un leurre. De quoi prendre ta place? Si je pouvais, j'aurais clairement une dette envers toi. Tu vas trouver un remplaçant, mais peut-être, voyons voir. Hé petite, c'est un jardin merveilleux, maman aurait adoré. Maman est amie des trolls comme Tov. Elle aimait les histoires de trolls. Donc oui, j'imagine. Je n'ai pas son talent. Quel est ton secret? De la terre d'os, ne le dis pas à Hild. Oh, quel genre d'os. Ah, elle m'apporte du thé d'os. Et répugnant. Mais ça fait pousser les fleurs. La recette demande une variété de montagnards rares et variants. De fleurs de bruxellière, de torpeur. Plongée dans de l'eau bouillante des bois. Des heures de plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour emporter la terre? Qu'est-ce qu'on peut... Oh, magnifique, quelqu'un a vraiment la main verte. Ça n'a pas l'air très engageant. Pas moyen de traverser. Et la cloche va nous amener à l'église. Bon, tantôt j'avais besoin de la spatule, mais là. On appelle ça déjà. Truelle. Spatule. Pas déjeuner avec la spatule, avec la truelle, je vais m'organiser avec. Eh oui. Allons voir. Imagine qu'on patauge toujours dans la boue, derrière des trésors. Je me demande qui a enterré le disque à motif.
quoi ça? J'en ai des joyaux brillants. Bon, on va aller voir la sœur du troll. Hilde, puissant Tov, reviens. Il. Je cherche quelque chose qui va peut-être un bâton. Lou, il a donné à Trollhild pour casser con. Pardon. Il de sort troll des. Truc. La bonté pauvre, il n'a pas de bonté. Je vais voir si elle a toujours le bâton. Tac, Analou. Merci, il. Va dans le nid, est. Quelque chose derrière, pas moyen de le faire bouger. Je pars dans cette forêt. Bon, c'est ouf. On va faire des cacamous. Un vieux chiffon. Ok, on va essayer quoi? Oh, ça marche. Youhou. Voici ton casse-croûte. Tu. Oh, j'ai un petit cas. Oh. Oh, moon, moon. Bon, en échange, tu devrais me dire de qui. De maman, elle voulait un fils. C'est pas un crapaud, Teta. Oh non, non, la femme du bûcheron. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une femme. Bah. Alors que j'étais un petit garçon, elle l'a amené. Comme Lars, où est-elle partie? Je sais pas, je me suis caché et je veux rentrer, mais je ne me rappelle pas où c'est. Je peux venir avec toi? Yes! Bien sûr, monte, on va le trouver ensemble. Quel diablo, toujours là? La face, c'est tellement laide. Change pas d'amour. Diarrhée de velours.
devrais te l'arracher. Manger pour souper. Visage, il est laid. Mon visage, il est laid. Il y a vraiment le rôle de musique. Et toi, je suis allé après les auteurs, compositeurs, toi. Attends. Ouais, il y en a ça à trouver que j'ai pas idée c'est. Il est trop lude. Te revoilà, Tove. Ton ami Tof, ami des trolls. Qu'est-ce que tu l'as troublé? Je cherche quelque chose que Tolhiel t'a donné. Attends, elle appelait ça une. Une canne à loup, oui. Elle a éloigné les corbeaux un certain temps.
Il a arrêté de marcher, trop joli, je l'ai jeté dans un vieux bassin. Et bassin, comment je fais? C'est important pour toi. Je vais t'aider. Bientôt. Ah. Viens m'aider. J'ai de l'herbe à terre. De l'autre côté de cette grande fosse garnie de pointes, puis... Oui, fosse plus pointue de la forêt. Comment on traverse? Old Soul, beaucoup de pointes dans le poisson. La proue, sans troll. Ça explique pas mal de choses. Oui, mais moi, je veux pas finir en pavé. Ouais, toi, et puissant d'esprit. Faible de corps, comme fleur maladorante, merci. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Au revoir, Tov, ami des trolls. Merci, Hult. Laisse la foutre. Alors, quelle est cette odeur? L'odeur des pendus. Des fleurs peut-être. En tout cas, ça sent un peu de bonbon. C'est un parfum très relaxant. Pas tout le temps, je vais essayer de vous libérer. Ya, 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 Ninja Turtle. Et voilà, ça va mieux, pas vrai? Bien, et je crois que cet arbre guide a toujours de l'ennui. Je devais vérifier s'il y a des corbeaux qui attaquent les rats. Parti, toi. C'est... Quel sommeil affreusement profond. Je voulais échapper à une nuée de corbeaux cruels et j'ai dû m'assoupir. Tout à l'heure, plus petit par ici. Je crois que j'ai fait la sieste un peu plus. J'ai vu les arbres mères qui m'envoient vous trouver. Oh, oui, tu as raison, le contact était en effet rompu. Je suis prêt, je sens les chemins racinaires. Oh yeah! Ah, c'est... Voilà, nous sommes à nouveau reliés. Merci de m'avoir réveillé, jeune enfant. Nos chemins racinaires sont à ta disposition. Merci, mon ami. Oh, ça ne viendra pas de ces lys. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'endort. Ça va faire chier, toi. Les lys me rappellent quelque chose. Et peut-être les lys de Tempeur dont parlait le livre de recettes. Et voilà, le troisième, mais dans le moins. Ah, tabarnak. Je peux pas me battre, X, Nix, Nox. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ne me quitte pas. Je ne veux pas mourir. Non. Je ne veux pas mourir. Ça marche. Le garçon a quelque chose de spécial. Raoul. Le rite exige encore mon pouvoir. Nous devons continuer. Je suis désolé de te faire souffrir, mon rookie. Moi aussi, je souffre. Mais c'est le seul moyen de te donner la vie que tu veux. C'est ma faute si tu es ainsi. C'est ma faute si les autres te craignent et te rejettent. Les humains n'acceptent que les leurs. Après ceci, tu marcheras parmi eux. Tu n'auras pas à porter le fardeau qui fut le mien. Quel que soit le prix pour moi comme pour quiconque. Qu'est-ce qui se passe?
La voix va très bien avec ce... quelque chose d'inattendu, de merveilleux. Ne résiste pas. Décrier, toi, tabarnak. Ok. C'est la meilleure chose à faire. Tu sais, Rookie. Bien, parle-moi de la fillette. On l'a vu. L'Anix, la créature tragique qui offre une fin tragique. Elle va rejoindre ses trésors engloutis. Toi. Bah attends, comment a-t-elle pu en avoir connaissance? Les trolls, et pourtant la fillette a survécu. Elle cherche son frère. Tove. Tove. Tove arrive. Elle vient me ramener à la maison. La maison que tu veux démolir? Personne ne viendra, mon garçon. Ton destin est ici avec nous, Lars. Cette fois-ci, nous n'échouerons pas. En grande partie parce qu'on a peu de bateaux. On pourra pas échouer. Oh, bon, de la gaspille. Nous n'avions jamais poussé le rite aussi loin. Je ne m'attendais pas à un si lourd tribut sur mon corps. Silence, Rookie. Tout ira bien. Je dois me reposer. Rookie, ça va? Qu'est-ce que tu as fait à la main? J'ai cassé un ongle. Je peux voir? Peux retirer si tu veux. Ah, c'est sa sœur qui a rentré ça là-dedans. Une écharpe de glace, ma sœur me les enlève toujours. Ok. Ah ouais, dit Chris, enlève-les. Ça risque d'être... Chris, elle va bouger. T'aurais pu te rapprocher la main. Je t'ai un master. Là, ça va mieux. Rookie. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui m'arrive? On appelle ça une diarrhée. Ah, c'est ce que je pensais. Non, je n'ai pas de maman. Je ne sais pas comment elle était. Par contre, j'ai une grande sœur. Petiva. Elle va me trouver. Elle me trouve toujours. Oublie ta sœur, mon enfant. Il est trop tard pour reculer. C'est sans doute un piètre réconfort, mais tu es de toute évidence spécial. Mais comme tous les enfants spéciaux, il t'en manque un petit peu dans la tête. Tu es tenu bien plus longtemps que les autres. Je serais presque triste de te voir partir. Tu vis une grande bénédiction pour nous. Quand il arrête de sourire. Et il en va comme il se doit. Nous devons nourrir les ténèbres pour vivre le rite. Allez, 5 dîners. Pour voir encore en moi afflue à travers mon corps.
Encore 20 minutes, après ça. Allez. Oh, mon dieu, il rentre dans l'eau, j'avais oublié ce parti-là. Je suis en vie, je n'en reviens pas. Je suis limogé. Et encore un morceau, enfin, je crois. Il faut que je trouve un moyen de me libérer. À tes dents, avec grand corps, avec grand gueule. Ouais, c'est un bon début. Ce n'est qu'un début. Et paf. Et le battant, ça ressemble à un battant sur la montagne. Pas moyen de l'atteindre pour l'instant, par contre. Ah, oh, c'est avec ce nounours-là qui va se... Je ne peux pas passer tant que ces tentacules sont là. Les tentacules... Les tentacules... Il est trop coriace, et puis même si j'arrive à le blesser... Oh Dieu... Basta, là-bas. J'ai vu plein d'autres tentacules sous ce manse. Je savais, tu allais penser à un truc. Pas question de faire trompette avec cette créature. Ça lui plaît. Attends, j'ai l'air un peu seul maintenant. Il va pas assez de temps que ce tentacule est là. J'ai pas un million de choix, tabarnak. Hein. J'ai fait tomber ton joujou dans l'eau. Allez, cours, ma maudite calice. Pitié, faites qu'il y ait une issue. Moi, que ce n'est pas que je pense. Comment as-tu fait pour te retrouver ici, toi? Allez, petite poupée, il est temps de t'habiller. Venez, t'attends. Ah, oh, le carré est là. Ah. Pas de passage secret ici, là. Ah, pas. Qu'est-ce que ça veut fabriquer ici? Pas tes affaires, ça. Petite botte de caoutchouc, mignon. Rien. Une petite bolle rouge.
Et je l'ai tué sur séduit. Et du coup. Et. En plus, voilà. Quel jeu? Ah, Sea of Thieves. On dirait un casier de mort. Ouais, mais fais longtemps sortir. Casier de mort, ça pourrait être utile. J'aime bien le tissu. On va faire qu'il y ait une nouvelle robe. Elle est sortie. Que ma petite qui laisserait que. Non. Il ne veut pas que je m'en aille, c'est clair. Il ne veut pas que je m'en aille. Comment tu as fait pour les sites, Kyle, c'est pute. Laisse-moi tranquille. Tranquille. D'ici de côté, continue. Ah là, il y a un coffre. Pourquoi il me force à rester assis là? C'est quand même une drôle d'idée pour un monstre. Ah, ok. Peut-être devenir ça. Question de faire trompette. Maintenant, ma vue. Pas longtemps. Il est bien déterminé à me rendre ici. Peut-être qu'il se peut. Il doit bien pouvoir faire quelque chose pour moi. Hein? Ouais. On va y mettre un... Bah la gueule, je crois. C'est bien comme ça. Malade. Et il y a ça. Comme à Gwen. Même tête. Comme un bol. Et tu peux peut-être jouer avec la version poupée. Il me faut que j'aille sauver mon frère, moi. C'est ton opinion, ça. Fuyez. Je crois que je peux sortir par là, hein, ouvre tes yeux, puis... Ah, oh, ça, ça, je sais ce que c'est. Dans la cave à Olgi. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière cette pierre. Puissante, puis traverse porte Nyx. Nyx. Elle tape son long bras et sur Grotta, il dit parfois. Belle pour... Il de pas bête, pas va par là. C'était quoi cette chose? Elle avait des tentacules. Nyx, pas gentil comme frère troll, pas belle comme sœur troll. Pas troll du tout. Comment je l'arrête? Il de sait que pas faux t'approche. Mais pas c'est comment dire la pas s'approche. Nyx s'assire sous l'eau. Pas de troll sans feu. Il est mouillé, pauvre Hilda froid. Comment il doit boiter maintenant?
Tout ce qui reste du feu, c'est de la boue, de cendres noires. Mieux vaut ne pas y toucher, ça me noircirait les gants. Quand t'es refroidi, la faute à qui, maudite biche? Pauvre île, pas feu, pas thé, juste les humains perdus. Décoller sans qu'il mange. Oh, ma petite Chris. Oh, ma petite Chris. Ah, nous ressentons de nouveau la présence de notre mère. Ça me va. Elle nous a été d'une aide précieuse, jeune enfant. Notre mère nous a ouvert les chemins en racinaire. Es-tu toujours résolu à trouver les gardiens perdus? Je dois retrouver mon frère, j'ai promis de m'occuper de lui. Alors nous allons te faire une promesse. Nous t'aiderons dans ta quête, en observant et en tant qu'enseignant dans la mesure du possible. Merci. Grâce à toi, Tove. Nous pourrons enfin ouvrir les yeux. Vous avez d'autres yeux? Nous avons des yeux partout. Dans la forêt. Vous voyez Lars? Tu es le seul enfant de la forêt. Et les gardiens, vous les voyez? Non, mais plus tu ouvriras de chemin racinaire, plus nous verrons. Ah, il fut un temps où les pas des gardiens retentissaient à travers tout le royaume, et la forêt résonne du claquement de bec des corbeaux. Peut-être peux-tu nous ramener à tous les gardiens. Je vais les retrouver maintenant que vous êtes là pour m'aider. Ce ne serait pas suffisant, il t'en faudra d'autres. Cours, forest, cours, forest, forest, cours. Simple, efficace, on verra. Le livre indique qu'il faut les piller pendant 5 minutes. Comment ça fatigue, ça? Ouais. Ça va finir. Ah, ça ferait du bien, bien à faire. Fais-moi ça. L'odeur est très apaisante. Il me manque plus que de l'eau chaude. Que veux-toi, hey, petite Huld? Pourquoi Tove dans la forêt? Pas sûr pour les enfants. Tout le monde ne mange pas les fleurs comme Huld. J'ai perdu mon frère, il a été enlevé. Et voilà que je dois ouvrir un portail et réveiller des géants. Les sorts trolls sont seuls aussi, Huld comprend. Je ne suis pas sûr de que les frères trolls reviendront. J'espère que Tove retrouvera le sien. Merci, Huld. Mais à mon de face, d'accord. Tu as trouvé un remplaçant? Peut-être, voyons voir. Tiens, ton naïf de frère. Tu viens voir. C'est beau. Cours, forest, cours, forest, forest, cours. Bon, on a deux choses à faire. Premièrement, on a trouvé l'autre pierre. Cours, ma petite Chris, vers l'église catholique. Va te confesser, petite vierge foncée. A perdu sa virginité avec le chevreuil d'à côté. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Code secret, je savais. Ça va, regarde. C'est mon sac.
En trop même. On cherche la grosse torche. Oh ça. Bon, ça me rappelle le ciel étoilé, mais moi ça me rappelle le style. À quoi ça sert? Quand il dit. Détache ici, toi. Ah! Je vais comprendre. Ça paraît spécial et un peu effrayant. Il va y avoir quelque chose de très puissant. Ça me rappelle les colonnes près du lac. Le château et pourquoi pas. Oh, un passage secret. Il n'est plus secret. Qu'est-ce que tu ferais sans le passage qui est plus secret, secret. Ta gueule il est plus secret, secret, secret. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton passage aussi? Il est plus secret ton passage de merde de Scalice. Un passage plus secret, Chris. Le passage, le passage est plus secret, le secret, plus de passage. Plus qu'une allumette après ça, qu'est-ce que tu... Pas ta mère, Rusty, allume. Ah, c'est bien chaud, 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 chaud. Mais c'est chaud, chaud, chaud. Ah, ah. Yes! J'ai trouvé la recette d'un thé délicieux. Pendant qu'il dort, je vais enlever son esti de poteau dans le nez, sa flûte. Meilleur que tous les autres sœurs trolls. Le ressemblerait du thé, de limace comparé à au tien. Alors Eden écrira un nouveau morceau. Il s'appellera le morceau de la crotte de nez. Le thé est prêt. Ça va être pas boire. Non merci, c'est du thé spécial que pour les trolls. Je vais dormir, ça en fait plus que pour Hild. Atov, gentil humain et ses os. Bon dodo, maman détruit. Désolé Hild, repose-toi. Et ne mange personne. Ça, maman. J'ai besoin de t'emprunter ta flûte. C'est pour promis, juré, craché. Un plancher là. Tout ce qui reste du feu, c'est de la boue et de la cendre. Ne venez pas y.
même pas à quoi ça sert, mais tu sais. C'est rien, maudit naïf, vous êtes tabac. Bon. Ah, il voulait de la teinture, tabarnak. Teinture, tu mets ça dans quoi? Dans un pot, calice. Regardez la bouilloire portable. J'avais oublié. Tout le livre est là. Ben là, à ce temps, quand on sait quoi faire, on va arrêter là. On ira pour voir le matou. Que nous pense ta botte. Ta guinée, t'es calé, je vais à la veille. Peu en délire. Ta guinée. Pense tes portes qui reviendront. C'est tout pour le live du jeu Rookie Live, la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!